Bonjour tout le monde, tous les amis. Je suis Dr. D et je suis ravi d'inviter une grande artiste, Claudine Desrosiers, aujourd'hui. J'ai continué à peindre, à exposer, à écrire, à publier. On dit souvent en anglais, il y a une expression en anglais, those who are the least competent in art are sometimes his biggest fans. Donc en français, c'est lui qui est le moins compétent dans les travaux artistiques sont souvent ceux qui aiment l'art beaucoup. Claudine, est-ce que tu veux t'introduire et raconte-nous ton histoire? D'accord, je vais commencer. Alors, moi, je dessine et je griffonne depuis que je suis toute petite. Quand j'étais toute jeune, j'avais une passion pour les animaux. Alors, en grandissant, j'ai choisi de m'intéresser à une discipline sérieuse en sciences et j'ai commencé un parcours en biologie. Et une petite anecdote, un de mes professeurs me disait que si je prenais autant de temps à dessiner les cellules, je finirais jamais par terminer mes laboratoires. Il me disait que j'avais peut-être un problème d'orientation, puis d'orientation dans le choix de mon parcours académique. J'ai ensuite bifurqué vers les sciences humaines. Quelque chose qui m'intéressait beaucoup, l'histoire de la pensée économique, la philosophie. J'ai fait tout un parcours dans ce domaine-là, toujours en gardant derrière moi et en faisant des dessins chez moi. Et j'avais de la difficulté à me décider à vraiment plonger, dire, à me prendre au sérieux en tant qu'artiste. C'est lorsque j'ai décidé de faire une maîtrise en éducation, où là j'ai réfléchi à mon parcours qui allait des sciences pures jusqu'aux arts en passant par les sciences humaines. Alors j'ai fait une réflexion là-dessus, j'ai travaillé sur des concepts d'autobiographie, d'auto-formation, de métissage et c'est ce parcours-là qui m'a décidé à prendre au sérieux mon travail de création. Alors, j'ai travaillé et la peinture et le dessin et l'écriture poétique de front. Les deux activités ont été menées de front avec, bien sûr, un travail qui financièrement me permettait de vivre. Alors, j'ai travaillé à la gestion dans une université, l'université chez nous à Rimouski. Et j'ai continué à peindre, à exposer, à écrire, à publier. Mais j'essayais toujours de conserver un espace de temps pour ma création. Et bon, à certains moments, ça a été très difficile. Mon premier atelier de création dans la maison où j'habitais à ce moment-là, quand j'ai décidé vraiment, je me faisais un espace à moi, c'était ma salle de lavage. Un petit coin dans ma salle de lavage où j'avais installé un chevalet, mon petit ordinateur PC qui était dans le coin sur la table pour plier le linge. C'est in incroyable. J'ai commencé vraiment à peindre sérieusement à ce moment-là. Ensuite, on a déménagé et la maison dans laquelle je me suis retrouvée, j'ai installé mon atelier dans le salon. Alors là, c'était comme à rebours, je vois que c'était comme une affirmation de « je suis une artiste, j'ai besoin d'un espace pour créer ». Et là, j'utilisais le salon. Il est certain qu'à ce moment-là, j'avais des jeunes enfants et mes enfants s'installaient sur ma table à dessin pour faire leurs devoirs. Et c'était tout mélangé, quoi. Il y avait mes dessins, il y avait les devoirs des enfants, il y avait la télé, il y avait. C'est incroyable. Je sais pas, j'ai quand même réussi à continuer à produire. Et bon, aujourd'hui, j'ai une grande pièce où je travaille
Puis j'ai développé beaucoup de... J'ai suivi plusieurs formations sur la reliure de livres, sur la calligraphie. Je suis très éclectique dans les manières de peindre. J'utilise différents matériaux, différents supports, collage, gravure, écriture. Je mélange souvent, l'écriture se retrouve dans mes toiles où je fais des petits livres avec des petits textes. Il y a beaucoup, beaucoup de... Et je dirais que principalement, mon inspiration première, c'est la littérature. C'est vraiment mon entrée à moi. L'environnement et tout est important, mais le premier ferment de ma création, c'est vraiment tous les gens en littérature, les poètes en particulier. Précisément, les poètes québécois m'inspirent énormément. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux, de séries de tableaux qui sont issus de la lecture de poètes québécois. Des poètes femmes, bien sûr, et des poètes hommes aussi. Il est certain que la poésie des femmes est très, très importante dans tout ce qu'elle dénonce comme difficulté de venir au monde comme artiste, comme poète. Je pense que c'est encore plus difficile de parler de thématiques qui nous tiennent à cœur sans tenir compte de toutes les influences extérieures, des modes courantes. En art, comme dans d'autres domaines, il y a des effets de mode et les artistes sont tentés de produire en fonction de ces modes-là. Et moi, je fais un effort très attentif à ce que je produis pour voir si je ne suis pas en train de verser dans ces thématiques à la mode. J'essaie de m'en tenir éloignée, j'essaie d'aller vraiment chercher au fond de moi les mots justes, les couleurs et les lignes qui expriment vraiment ce que je suis. Alors, c'est toujours un travail, les concepts que j'avais travaillés théoriquement dans mon mémoire de maîtrise, ils sont vraiment à l'origine du travail que je fais maintenant. Métissage au niveau du langage visuel et du langage littéraire, métissage des matériaux, métissage politique, métissage avec les expressions, les détails du quotidien, l'intime et tout ce qui se passe à l'extérieur, les conflits, ce qui se passe dans le monde. Ça influence, puis ça donne vraiment un effet sur comment on sent, comment nos émotions, comment on essaie de vivre mieux avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce qu'on vit personnellement comme deuil. Tout ça s'exprime dans mes toiles. Parfois, quand j'ai quelque chose qui est très intime, qui est proche de moi, qui m'a beaucoup affectée, souvent, je vais prendre le livre comme matériau de base. Plutôt que faire des dessins ou de la peinture, là, je vais fabriquer un livre. C'est comme un objet que la personne va pouvoir prendre dans ses mains puis regarder et lire toute seule. C'est comme un espace vraiment privilégié. Alors, c'est différent de présenter une toile à tout le monde en même temps. Il y a comme un va-et-vient entre l'extérieur et l'intime. Et, bon, c'est un peu ce que j'ai fait il y a 2 ans à La Scrucciese, quand j'ai fait un livre avec les mots des gens qui étaient à la conférence. Alors là, j'ai tenté que chacun puisse se retrouver dans un espace commun, qui était un livre que j'avais fabriqué en éventail afin qu'on puisse l'ouvrir et que tout le monde puisse lire en même temps, ce qui est un peu anachronique avec un livre. Habituellement, on est seul, on lit ça dans l'intimité, mais là, c'était comme un livre ouvert où tout le monde peut aller lire en même temps. C'était comme un entre-deux entre une exposition de toile et un livre intime.
Alors, j'aime bien le jeu comme ça entre les deux, là, puis c'est ça. J'ai oublié, comme tu m'as dit, tu as commencé en biologie pour dessin, la vie, un peu, qui t'a inspiré. Ça, c'est très intéressant. Je me souviens maintenant quand tu as répété, mais j'ai oublié ça. C'est intéressant, ça. Mm-hmm. Et je voulais dire, je voulais demander, est-ce qu'il y a un artiste qui vraiment t'inspire? Tu as un artiste favori, peut-être? Ou un écrivain favori, peut-être? Oui, j'en ai plusieurs. Il y a une écrivaine italienne qui est... Il y a un peintre principal qui fait partie de mes premiers contacts avec la peinture et qui m'a influencé beaucoup, c'est Henri Matisse. Ses propos sur l'art m'ont guidé dans mes travaux. Ensuite, il y a tellement d'auteurs qui me passionnent, qui je pourrais nommer. Bon, principalement Roland Barthes, qui est celui dont j'ai travaillé le plus les écrits, principalement Roland Barthes. J'ai mes premiers émois, on va dire, en littérature, qui ont vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est cette écriture, qu'est-ce qu'on me raconte là, le son, ce que j'entends, c'est différent, qu'est-ce qui se passe, c'est Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Quand j'étais très jeune, j'ai lu Le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn. Ah là, j'ai été vraiment... Mais sinon, plus près de nous, je lis beaucoup d'auteurs québécois. Je lis beaucoup de jeunes poètes, femmes en particulier, parce qu'il y en a beaucoup qui publient ces dernières années, qui sont vraiment intéressantes. Des auteurs québécois, j'en ai des tonnes. C'est difficile de... Je regarde mes livres, mais en fait, mon atelier de peinture est rempli de toiles et de livres. Mm-hmm. Et comme la moitié de l'atelier, c'est comme un espace bibliothèque. Mm-hmm. Et le reste de l'atelier, c'est des tables pour travailler, pour fabriquer des livres et un coin qui est pour peindre. Sinon, dans les grands artistes, mon Dieu, Miro... J'en ai des noms qui me viennent pas. C'est drôle. Il y en a une que j'ai vu les peintures qui étaient exposées au Centre Pompidou en 2010, que je connaissais pas du tout, qui était la femme d'un peintre connu. Ça, il y en a beaucoup comme ça que je découvre petit à petit. Et tu vois, j'ai même oublié son nom, là, c'est fou. Oh, sinon, j'ai vu dernièrement une exposition d'un couple qui a été un couple pendant un certain temps, deux grands artistes, Jean-Paul Riopel, qui vient du Québec, et Joan Mitchell, une Américaine. Et pour moi, j'aimais Riopel, mais quand j'ai vu Joan Mitchell, j'ai compris pourquoi Riopel avait fait autant d'hommages à Joan Mitchell, parce que c'est vraiment une peintre extraordinaire. J'aime bien comme tu décris ton processus. Ça ouvre une fenêtre pour les autres jeunes artistes. Mm. Par exemple, je peux comprendre. Un genre peut voir quelque chose et puis le peindre. Moi, je ne peux pas, mais je peux comprendre le processus. On observe, on peint. Mais tes œuvres qui sont pleines des émotions... et des sentiments et tout ça, j'ai jamais compris comment est-ce que tu peux visualiser ça dans la tête et puis le mettre en peintre. Et comme tu as décrit, comme tu utilises la littérature et tu mélanges beaucoup, beaucoup de choses pour créer des œuvres, pour moi, c'est très intéressant. Je crois que je vais te lire un petit texte que j'avais écrit. Celui-là est à propos de l'écriture, mais après ça, je vais t'expliquer à propos de la peinture comment je procède. J'écris « J'avais la tête pleine d'idées. J'ai commencé à écrire. Enfin, j'essayais de mettre par écrit toutes ces idées dont j'avais envie de parler.
Je me suis lu et relu. Mes idées perdaient de la consistance. Elles s'émoussaient petit à petit. Alors, j'ai tout réécrit. Plus je travaillais le texte et plus j'avais d'autres idées. Mais était-ce vraiment les miennes? Je n'en savais trop rien. Alors, j'ai recommencé plusieurs fois. J'écrivais des tas de mots. Je tassais mes idées et je ne savais plus où donner de la tête. Quelle était donc l'idée a priori que ma tête voulait à tout prix faire correspondre à je ne sais quoi? En fait, et j'ai pas dans ma tête l'idée que je vais peindre, mais pas du tout. Ou si j'en ai, je vais les dessiner rapidement au crayon sur la toile, mais ce sera jamais le produit final. C'est des idées que j'ai, et quand je suis sur la toile, il se passe autre chose. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Et c'est ça qui est si épeurant. On a peur de se lancer dans le vide parce qu'on a besoin d'être assuré. Je vais dessiner, OK, il y a un chat à côté de moi, je dessine le chat. Mais moi, c'est un genre de travail artistique, mais ce n'est pas le genre de travail que je fais. Moi, j'ai des grandes lignes, j'ai des grandes pistes. Souvent, je trouve le titre de mes séries après avoir commencé. J'ai commencé, j'ai fait des choses, je vois mon travail, puis je me dis, ah, OK, c'est ça que j'ai fait. OK, c'est ça qui se passe. J'ai des, oh, OK, oh, Claudine, t'es triste aujourd'hui, ou c'est difficile, ou, ah, OK, c'est joyeux, t'avais besoin de mettre de la couleur, mais c'est comme si je le réalisais après. C'est comme si que j'écris ou que je peigne, c'est après que je réalise la transformation, le cheminement qui s'est passé dans ma tête, ou où est-ce que je suis rendue. C'est que je fais une lecture de mon travail après coup, pour dire, ah, oh, OK, la série, ça s'appelle « Le poème habite quelque part ». C'était pas avant que j'avais choisi, c'est après. Après que j'ai fait quelques tableaux, puis, oh, je me rends compte que les poèmes que j'ai lus, par exemple, pour cette série-là, j'ai lu beaucoup de poèmes de René Lapierre. Alors, je me dis, ah oui, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est jamais avant, c'est toujours... Enfin, il y a une idée qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la traduction. Parce que quand on traduit, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se perd, qu'est-ce qui se maintient dans le passage, où est-ce qu'on arrive après. Il y a toujours une certaine transformation. Il y a une expérience qui se passe, puis pour chaque personne, elle est toujours différente, qu'on soit un lecteur ou un producteur, parce qu'on peut être un spectateur d'une toile, on la regarde, on la lit, on vit une expérience, il se passe quelque chose. Et c'est ça. Le peintre peut avoir dit, ah, oh, moi, j'ai voulu dire telle et telle chose dans ma peinture. Mais moi, ça me dit rien. Moi, ça m'intéresse pas de vous dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez l'expérience d'un texte que j'ai écrit ou d'une œuvre que j'ai faite et vous faites votre lecture, vous faites votre chemin. C'est ça qui est beau. L'expérience est autant du côté du créateur que du spectateur. Le spectateur, il est important parce que s'il n'y avait pas de spectateur pour voir mon travail, je serais toute seule devant mon travail. Je le fais parce que j'ai envie de partager quelque chose. Et ce quelque chose, il va être différent d'une personne à l'autre. C'est très, très, très ouvert ce que je fais. Et bon, maintenant, après le nombre d'années que je peins, je sais que c'est que je fais un travail qui est narratif dans le sens de raconter une histoire, mais dans le sens de chaque spectateur va lire son histoire. C'est pas la mienne. On lit jamais celle du peintre. On lit toujours son histoire. C'est pour ça qu'il y a des peintures qui nous parlent, puis d'autres qui ne nous parle pas beaucoup. On n'arrive pas à lire son histoire, on n'arrive pas à lire quelque chose
qui nous fait réagir. Ou on aime ça, ou on est triste, ou on est content, ou on est fâché. Mais il faut qu'il y ait une réaction. Parce que quand on vit une expérience, il se passe quelque chose. C'est quelque chose au niveau émotif, ça c'est certain. Si ça se passe pas bien, tant pis, c'est Villeneuve qui ne parle pas, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour les entrepreneurs aspirants? En tout cas, quand on fait un travail artistique, je crois qu'il faut certainement croire en soi. Il faut certainement croire en soi et pas se laisser. Il faut qu'on ait une passion qui soit tellement importante. Puis c'est très, très important de ne pas laisser, surtout en art, de ne pas laisser l'opinion des autres modifier puis venir intervenir dans notre travail. Et ça, c'est une confiance qui se travaille, qui se solidifie, mais qui est toujours ébranlable. Toujours. Et c'est quelque chose qui est continuellement... c'est jamais réglé. Et c'est quelque chose qui est à travailler. Et c'est sûr que plus on est à l'affût de ça, plus on est attentif. Mais je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. On doit chercher profondément au fond de soi les mots justes, les couleurs, les lignes qui expriment ce que nous sommes. J'ai une amie qui est artiste qui s'appelle Sylvie Laliberté. Elle écrit une sorte de poésie et des dessins et elle est très humoristique en même temps. Puis c'est une citation que j'ai mise au-dessus de mon ordinateur tout près pour que je la puisse la relire de temps à autre. Ça dit « Chaque jour, je dois faire cette chose très difficile qui est de faire ce que j'aime. Il est tellement plus facile de faire ce que les autres aiment. » Alors, c'est ça. Ça, c'est mon leitmotiv de conseil pour les futurs artistes. Voilà. Je dois dire que je suis pas... Je ne sais pas si j'ai eu des obstacles particuliers. Je pense que dans les travaux, les différents contrats que j'ai faits à l'université, en recherche, puis ensuite en art, dans mes démarches, j'ai pas rencontré d'obstacles parce que je me dis que c'est peut-être parce que j'ai pas été confrontée à démarrage d'entreprises qui entrent en compétition avec d'autres entreprises du même type. Dans mon cas, la question se pose pas vraiment. Non, je peux pas dire que j'ai eu des... Est-ce que j'ai eu des avantages? Non, je pense qu'en art visuel, c'est pas... Je vois pas vraiment qu'il y ait avantages ou désavantages. À une certaine époque, oui, certainement, mais aujourd'hui, je pense que c'est grandement dépassé. En tout cas, j'espère croire que... Bon, je suis pas dans un... Je suis pas dans le jet set montréalais. Je fais mes travaux, moi, dans mon coin, puis j'ai beaucoup de relations avec des gens en art. C'est quand même un milieu assez compétitif au niveau des demandes de subventions et tout ça. Bon, moi... dans mon travail universitaire de gestionnaire, j'ai eu à affronter ces situations administratives difficiles de subventions et tout. Alors, depuis que je fais de l'art à temps plein, j'essaie de garder ma liberté entière. Est-ce qu'il y a des avantages particuliers à être entrepreneur ou artiste à Québec ou à Rimouski? Je ne le sais pas. Je ne sais pas sincèrement si c'est plus facile ici qu'ailleurs. Je ne connais pas tellement le milieu ailleurs. J'ai des amis qui font un travail artistique au Québec et en France. Et eux autres, ils font un genre de... C'est des gens en littérature et un peu art visuel aussi, qui fabriquent des livres en... Ça s'appelle de la micro-édition. Ils fabriquent des livres live avec des gens qu'ils invitent. Alors là, ils se déplacent, puis ils font ce genre d'activité. Et je pense que ça fonctionne aussi bien au Québec qu'en France.
Mais bon, non, je ne suis pas assez connaissante de l'entrepreneuriat ici ou ailleurs pour te dire quelque chose. S'il y a des avantages, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Peut-être au niveau de l'aide gouvernementale, je ne sais pas. Vraiment, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Ici, certainement, on a le Conseil des arts et des lettres du Québec, on a le Conseil des arts du Canada, qui sont des sources de financement auxquelles on peut proposer des projets pour avoir du soutien. Je pense que c'est quand même intéressant. Mais disons que je ne me suis pas trouvée. Moi, j'ai eu plusieurs enfants. Et mes deux premiers enfants, j'étais aux études à temps plein, même les trois. J'ai eu des enfants et j'étais aux études à temps plein. Ensuite, j'ai été contractuelle sur des projets de recherche à l'université. Mais j'ai quand même choisi, le mode contractuel m'a permis de me conserver des espaces de temps pour la création. J'avais des périodes où je faisais des contrats de recherche à temps plein et d'autres périodes où j'en avais pas, où je me gardais, j'attendais un certain temps avant de reprendre un nouveau contrat pour me permettre de créer. C'est comme ça que j'ai réussi à mener de front un peu tout, et les enfants, et le travail pour survivre, et la pratique artistique. C'est tout un défi. Tu fais un business plan ou quelque chose un peu comme ça? Et si oui, est-ce que le plan a évolué? Et si oui, comment est-ce que ça a évolué? Jamais, absolument jamais possible. Absolument pas. Ne Donc, t'inquiète c'est pas, quelque car. chose d'absolument inconnu. C'est quelque chose qui est comme. J'ai des amis qui sont qui sont designers graphiques, puis qui étaient. Tu sais, qui produisent des articles, des dessins pour de la publicité, c'est un travail plus concret. Puis qui, eux, sûrement, ont des plans d'affaires, mais moi, j'ai toujours voulu avoir un travail artistique complètement libre. Je le fais pour ça, je le fais pour la liberté que ça me donne. Alors, non, je ne me suis pas. Ben, tu sais, un plan d'affaires, qu'est-ce que c'est un plan d'affaires? Un plan de vie, oui, j'ai pensé que dans ma vie, à un moment donné, je voulais avoir de plus en plus d'espace de création. Donc, ça nécessitait un endroit de plus en plus grand et adéquat au travail que je faisais. Dans ce sens-là, oui, j'ai travaillé toute ma vie pour arriver à obtenir un espace parce que je savais que c'était essentiel. Ça me fait penser à Une chambre à soi de Virginia Woolf. Il faut avoir son espace, sinon c'est pas possible de créer. Oui, c'est ça, en sens. Ne t'inquiète pas, en fait, la plupart des entrepreneurs ne font pas un business plan non plus. Donc, en fait, c'est normal. Je pose cette question exprès pour montrer que toutes les choses qu'on apprend dans les cours d'entrepreneuriat, il faut les jeter, car c'est en fait la réponse normale. Non, je n'ai pas fait. Donc, Oh, j'aimerais ça avoir commencé mon travail artistique à temps plein plus tôt. Ouais, c'est une décision qui a été difficile à prendre, de laisser un emploi qui était très, très bien rémunéré pour avoir vraiment plus de temps pour ma pratique artistique. Ça fait 7 ans que ma pratique artistique prend tout mon espace et c'est vraiment extraordinaire. C'est fou là, comment on peut travailler. On travaille tellement quand on travaille pour soi dans quelque chose qui nous tient à cœur, auquel on croit, auquel on pense que ça donne quelque chose aux autres, ça nous bénéficie à nous. C'est incroyable, les fruits de ça. Bon, j'y ai toujours cru là, mais bon. À une époque où nos enfants sont très jeunes,
ça peut être plus difficile d'être coincé financièrement. Alors, bon, on fait des arrangements. Oh non, je pense que j'ai bien traduit tout à l'heure mon processus de création qui passe par la littérature et qui est très, ben, très, très, mon travail est engagé, je pourrais dire que mon travail est engagé politiquement d'une certaine manière parce qu'il concerne toujours la sauvegarde de la planète, quel que soit ce que je fais. Il y a toujours une question qui revient dans les images, dans ce que je lis. Mais quelqu'un peut lire autre chose. Quelqu'un qui n'est pas concerné autant que moi par la sauvegarde de la planète et l'écosystème et que l'on fait partie de l'écosystème, ça, c'est certain que c'est une trame de fond qui est visible dans tout mon travail. Et une question très importante, car les gens un peu partout dans le monde vont voir ce vidéo. Et c'est pour les gens qui veulent savoir plus, comment est-ce qu'on peut trouver encore des informations, par exemple, un site Internet ou quelque chose comme ça? Alors oui, j'ai un site web. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Et sur Instagram et sur Facebook, je donne le lien pour mon site web. Et mon site web, c'est facile, c'est mon nom avec Rimouski. Et sur mon site web, je mets à jour mes différentes séries. Puis souvent, les gens communiquent avec moi le plus souvent par Messenger de Facebook ou par Instagram. C'est vraiment, je suis surprise des gens qui communiquent avec moi, qui ne me connaissent pas du tout, mais qui ont vu mon travail, qui sont intéressés. Et qui veulent m'acheter des œuvres, c'est bien. Je ne pensais pas que les réseaux sociaux, je pense que c'est un bon moyen de diffusion large, d'entendre parler, de commentaires, de que les gens nous posent des questions. C'est vraiment bien. Parce que moi, j'expose pas tant que ça. C'est beaucoup d'énergie et faut aller dans les grandes villes pour exposer, pour que ça vaille la peine, qu'il y ait beaucoup de gens qui voient notre travail. Moi, je suis dans une toute petite ville. Les gens sont contents quand j'expose ici, mais ça atteint pas un large public comme si je prépare une exposition à Montréal, par exemple, là, au Québec, disons que la ville où il y a les plus gros achalandages pour que les gens voient notre travail, c'est à Montréal. Alors, le moyen qui est le plus simple pour quelqu'un qui est en région éloignée comme moi, c'est les réseaux sociaux, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut vraiment croire en soi. Travailler très fort, s'éloigner des modes et des idées toutes faites, à y aller croire en soi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais.